jeu quoi, pour pouvoir le faire. C'est des maps faites avec Ansel. Et Gretel. Magicien, vous connaissez pas chose, Ansel. Ansel et Gretel. Ansel, c'est une option des pilotes graphiques Nvidia qui permettent dans certains jeux de débloquer des vues à la mode spectateur, un peu comme vous voulez. Je savais pas que ça pouvait faire ça. Et tu peux te bouger en 3D dans le jeu. Et entre autres, dans le jeu The Witcher 3, tu peux le faire. Donc tu peux stopper et prendre des captures d'écran de l'angle à peu près que tu veux. Donc si tu te mets en vue de dessus, bah, tu peux prendre des captures d'écran de tous les décors de The Witcher 3. Il y a plein d'endroits sympas dans Witcher 3, dans les maps de Witcher 3. Là, faut savoir quand même. Moi je l'ai su parce que sur Fantasy Ground, il y a un mec qui l'a fait, donc moi j'ai récupéré tout ce qu'il avait foutu au niveau des cartes. Des tonnes et des tonnes de cartes, et j'ai même récupéré des cartes aussi. Alors c'est sur Fantasy Ground, mais aussi sur les trucs qu'on a en commun, Franck. Ouais. Ouais, il y en avait beaucoup là-dessus aussi. J'ai raté un truc, il faut faire un JS de force. Oui. Ah ouais, pardon, merde. J'ai de force. J'ai des forces. Un jeu de force pur. Ouais, bah on est bien tous, hein. Faut faire 5, hein, c'est ça, hein. Moi j'ai 16. Parce que ça, c'est par rapport à voir la vitesse où vous allez arriver embarqué. Mais moi je cours. C'est Max qui pousse, hein. Moi je pousse. Je pousse en fait. Je pousse la barque. Tu devrais pas avoir autant. C'est Max. Louis. Oui. Tu devrais. C'est pas un jet de sauvegarde. Ah, un jet de sauvegarde, c'est un jet de force. Un test de force. Un check de force. Effectivement. Ah oui, effectivement. Ah ouais. Ah bah moi aussi. Il faut faire moins, c'est ça. Écoute. Jerry's le magicien. On y va, c'est bon. Alors c'est moi qui l'ai fait small, ah ouais. Il s'est mis au rameur depuis peu. C'est ça. À force on lui dise qu'il est trop enrobé, voilà, il a mal pris. Et il y a 2G réussi, ce qui vous permet d'arriver à un certain moment. Lorsque, je disais, il y a un homme qui s'est retourné pour faire face aux écorchés. J'ai oublié de mettre les autres. Hop, ici. Et voilà. Est-ce que vous voulez bien me tirer l'initiative, s'il vous plaît? J'aurais dû retailler la map un peu grande par rapport à la zone qu'on a besoin, mais bon. À fond, Max, hein. Je fais combien? Oh, pfff. J'ai pas vu combien j'avais fait. Oui, Max. Oh là là, c'est lamentable. C'est la peine d'avoir un bonus comme ça pour être à chaque fois. Mais... Remarque, c'est pas plus mal que après, parce que comme ça t'es. Oui, parce que comme ça je. Toujours après. Tout à fait. Pour avoir ta sonnose. Et je me fais. Ouais, ouais. Fais ta ronde, ça va être à toi, hein. Ouais. Yes. T'as merde, pourquoi j'arrive pas à. C'est quoi ce bordel? Voilà. Je fonce. 1, 2, 3, 4. Ah oui, on passe comment là? Si, je donne ça. 5, donc, les, en la diagonale là, c'est quoi? C'est compté de... comment? Normal, on s'emmerde pas, c'est une case. La diagonale. 6, 7, 8. Et il faut que je fasse le tour de ça? Ouais, ouais, ça c'est un muré. 8. Petit muré là. Un pierre. 11. Alors ouais, attends, je repars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je peux passer. 11. 12. Donc j'ai fait un simple déplacement. Et puis bon, bah, je pense que 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'arrive facilement au double déplacement là, quoi.
Il traverse la moitié de la map. Ensuite, je fais 14 attaques. Non, par contre, c'est tout. Bah, dis-moi, t'es arrivé juste à temps. On m'en prend une, hein. Non, c'est pas toi qui tape. Il était occupé. Ah, bah, il touche. Il touche Cervantes. Là, oui, qu'est-ce là un homme, effectivement. Assez blessé, de type. Petit blessé. Non, mais il a. Voilà. Sa tenue, comment dire. Elle a du vécu, on va dire. Voilà. Vilaine créature. Ah, bah tiens, tu arrives à temps, j'ai t'arme. Et un miss. Mais ouais. Voilà. Et ça l'homme de répliquer. Il se bat avec une rapière. Et il touche d'ailleurs. C'est vrai qu'il se relève. Je vais avoir alors, du mal. Il faut qu'il fasse un test de perception. Hein. C'est vrai que les créatures se relèvent. Merde. J'ai perdu la tour cachée. Elle est disparue. Tu l'as déplacé quelque part. Elle est cachée. Ouais. Elle est cachée. La tour cachée. La tour cachée, elle s'est cachée. Merde. Bande de fous. Sinon, tu vas dans les options et tu décoches le truc tour caché et tu fais tes jets. Pas caché. Pas caché. Pas caché, mais que les joueurs ne le voient pas. Chat c'est long comme ça, la tour pas cachée, mais que le joueur ne voit pas. Mais non, mais t'as. La tour cachée qui n'apparaît pas pour le meneur de jeu, ça veut dire qu'il fait ses jets en caché pour lui. Ouais, par exemple, là, si je lance, vous le voyez c'est pas. Dire qu'il les lance et qu'il voit pas le résultat. Non, mais. Ah putain, vous m'avez compris. Mmh. Ah bon. Bande de crétins là. Eh, pas de bol, vous êtes remarqués. Ah, ils sont remarquables quand même. Hein. Oui. Et pourquoi tu veux dire qu'ils viennent vers nous? Ah oh, putain. Ouais. Ah oui. Bénédicte, à l'aide. C'est parfait. C'est parfait pour Bénédicte, ouais. Allons bouter tous ces écorchés. Toi t'as envie de jouer à Joan of Arc. Joan of Arc. Ouais. Oh. Ah, super, hein, franchement. Génial. Moi j'ai pas envie. Le jeu de rôle. Oui je l'ai récupéré. Ah tu l'as acheté. Ouais je l'ai récupéré. Ouais, je l'ai acheté. Ouh. Bénédicte. Bien, je vais pouvoir attaquer moi et faire des sournoises sur lui. Il est énervé, ça Bénédicte. Va dépendre. Sur lui. Tiens, bouffe du plomb. Toi au moins tu te relèveras pas. Bouffe du fer en tout cas là. Et moi bah, Bénédicte. Altiris. Oui, oh. Oui, oui. On fait du mineur. Hey, il a refait, il a refait. Voilà. Donc le time stamp pour le. Ah ouais, non, mais le brut, c'est ces trucs de fans, ça fait. Voilà, voilà. Oui, voilà. Franck, nous sommes des gamins. coup de caca, ça nous fait rire. Altéris, il a des gaz. Pour le coup, ça fait combien? Ça fait 12 de dégâts. Ouais, et puis il y a ça en plus. Hein. 12, 5, 17. Et théoriquement, il a 6 en plus. Hein. De quoi 6 en plus? Ah, qu'est-ce que je vais faire? La spécialisation élémentaire. Un D6 en plus. Non, ça marche pas avec les tours mineurs. Ça marche pas avec les tours mineurs? Bah, pas du tout, puisque le tour mineur te permet. T'as la spécialisation élémentaire. Élémentaire te permet de lancer les sorts comme s'ils étaient d'un niveau supérieur. C'est ça?
sais plus. Bon, n'en tiens pas compte. Faudrait que je relise. Ouais. Spécialisation élémentaire feu. Vous pouvez utiliser une action bonus pour le lancer avec un emplacement de sort d'un niveau de plus, y compris au-delà de votre niveau max. Pourquoi j'avais retenu juste que ça faisait parle un... moi, par exemple, une boule de feu qui fait 5d6, si tu, on te dit que tu peux la lancer comme un sort de niveau 4, elle passe à 6d6 par exemple. Toi, c'est gratuit, en action bonus, tu peux le faire. Imagine, par exemple, ton trait de feu. Pas le trait de feu, le scorching ray, les rayons ardents. C'est un sort de feu de niveau 2. Quand tu le lances avec un emplacement de sort de niveau 3, t'as un sort de plus. Ouais. Comment dire ? Tu peux, avec une action bonus, donc gratos, le lancer avec un emplacement de sort de niveau 3. Mais si tu utilises un emplacement de sort niveau 3, même si tu n'en es pas capable théoriquement, tu peux le lancer comme un sort de niveau 4 avec ta spécialisation alimentaire. J'avais pas compris ça du tout, Gonzo. Mais bon. Bon, je vais relire. Je relirai. Ben, vas-y, relis hein, entre deux bras. Mais ceci dit, donc il fallait que je fasse un jet de sauvegarde de consite. Non, il est mort. Il s'est pas relevé ? Non, il s'est pas relevé. Et relis-le, tu vas voir, tu as spécialisation élémentaire dans tes dons. C'est écrit. T'es un élémentaliste, c'est ça, Gaël ? Ouais. Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai mis un D6 du coup. Parce que ça marche pour les sorts comme un boule de feu ou quoi. Mais puisque un sort comme un boule de feu, c'est juste des D6 supplémentaires. Sur la plupart des sorts de dégâts de feu, c'est obtient un D6 supplémentaire. Mais par exemple, si on te dit que tu peux le lancer comme un sort de niveau supérieur, sur un rayon ardent, ça affecte le nombre de rayons que tu jettes. Mais pas les dégâts de chaque rayon. Par contre, c'est bien précisé, c'est que pour les sorts qui bénéficient de la fameuse phrase à plus haut niveau. Donc ça ne marche pas avec les tours mineurs. Mmh. Donc que ce soit un sort de feu et que ce soit pas un tour mineur. En anglais, c'est plus explicite puisque il y a les spells et les cantrips. Et c'est différent. Ça dit bien que ça n'a effet que sur les spells. Voilà. C'est un des écorchés qui s'approche de chez Tarn. Il a pas le droit. Et ouais, mais il fait quand même apparemment. Oh, vous êtes impossible à toucher quoi. Il est encore écorché, c'est incroyable. Mais lui, n'écoutant que son courage, il se barre. Max, c'est à toi. Ouais. Du coup, je vais m'avancer ici et. Il a son doigt sur. Et Bénédicte. Non, et je vais tirer à l'arbalète. Hein. Je peux beaucoup. Pas téméraire. Non, mais ça sert à rien que je m'approche de toute façon. Touché. Donc, le niveau des dégâts, ça va pas être terrible. Bah, quand même. Ouais, quand même. Quand même, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu fous ? C'est de nouveau Max d'ailleurs. Bah, je continue. Je suis tire dessus. Loupé, je crois. Ouais. Mmh.
C'est mon tour. Et c'est lui qui passe la barrière et qui vient ici. Caché. Pas plus. Lâchez ta main, du coup, d'ailleurs. Ouais, et ben je vais faire un déluge de coups. Hein. Ouais, donc t'as pas besoin de te déplacer. Hein. Et puis je vais faire un prone. Enfin, déjà faut. Je vais me mettre. Oh non! Peut-être. Peut-être, ouais. Oui, merci. Et c'est un bel effet. Deux niveaux d'épuisement! Deux niveaux d'épuisement, oh, putain, c'est un. Oh la vache! La vache! Oh le bol! Alors ça veut dire que tu es. Ton. Déplacement. Je vais faire un héros point. Pour refaire le 1. Ouais, si tu veux. Oh non, je vais prendre. On est deux niveaux d'épuisement. Pas qui vous, hein. C'est pas les conditions, c'est dans quoi déjà, c'est gérer la santé. Ouais, je refais là. S'habiliser. Ouais, je t'ai peut-être pas filé le module que j'avais fait sur la folie et puis ouais. Les. Non, mais là, ça y est. Là. Ouais, sur les comment les épuisements. Ouais, c'est juste que t'as désavantagé à tes jets de carac, donc c'est pas encore tes jets d'attaque. Ouais, mais j'avais fait et des. Ta vitesse diminue de moitié. J'avais fait des effets par rapport à ça. Que tu peux les scripter, les effets. Ouais, si ça m'attaque seulement ma vitesse. Je te les file. Occasion. Ouais, je prends l'épuisement quand même. Ok. Par contre, je peux quand même faire le reste. Oui, oui. L'attaque. Oui, oui. Ouais, alors je continue. T'es où, je dorme. Tac, je te mets là. Pouf. T'es pas vrai. Putain. Un deuxième fumble. Deux, ouais. Grandiose, ce soir. T'as toujours la fenêtre hein, ou. Du ce que je fais, merci. Et tu vas t'embrocher de la mort hein, si tu. Ah, c'est bon. Tu prends des niveaux d'épuisement encore. Non, ça va, c'est juste à louper. Vous prenez deux autres niveaux d'épuisement. Quatrième ou quoi. Avec 4 niveaux d'épuisement, ça commencera à piquer. Ah, ouais, non, mais là, il peut plus bouger quoi. Que des misses, des machins. Il y en a une qui touche, super. Vache. Désespéré, à la fin, il donne un vieux coup de latte. Qui touche, même pas très fort. Qui touche quand même. Par là. Contre, il fait un petit JS de prone, là, de dextérité. Dextérité. Donc c'est à 18 maintenant. Si je compte bien. Raté. Si c'est 18, c'est raté. Donc il est prone, c'est ça. Il est prone, ouais. C'est, putain, merde, c'est sur lequel que tu tapes, celui qui a pas de toi. Milieu, ouais. Milieu, là. C'est lamentable, quand même. Il glisse. Mais il dit que t'es un écorché, ça arrête avant toi. Et il te touche. Tu prends un coup de griffe. Merde, il glisse pas sur la flaque de sang. Non, apparemment. J'arrive quand même à t'ouvrir un peu le ventre. Ben, des petites. Ça passe un peu entre les côtes de maille. Tu prends un peu des. Alors. Ouais, t'es où. Par contre, tu as vu, hein, tant que mentalité de feu aussi, tous tes sorts de froid et tout ça, par contre, tes ennemis ont l'avantage au jet de sauvegarde. Ouais. Bon, ben, les traits de feu, ça touche. Hop. Oh, faut travailler. Eh hey, Bénédicte, vas-y, achève-le. Le coup de griffe. Achevez-les. C'est vieux ça. Eh les gars. DD15, c'est ça. Eh les gars, help, il m'épuise. Raté. Zéro flanc.
Bah du coup je me déplace. Il y en a partout, je suis épuisé, là j'en veux. Oui, tu peux. Je te conseille de composer le 1, 2, 3, 4, je répondrai à ton appel d'assistance. Il y a un trou dans la barrière là. Oui. Ouais, il y a un trou dans la barrière en bois là. Donc je me dirige par là. Puis... Je ne comprends pas votre problème, pouvez-vous répéter? Ah bah oui. Ha oui. C'est bien ça. Il s'est fait une entorse à la cheville. C'est quoi pour un zombie quoi. Alors, il a plus de la moitié du déplacement. Alors, il va traîner sa patte. Et ça te rate. Ah, Cervantes, il se fait toucher lui. De nouveau, il prend des coups de griffe. Et c'est à lui de répliquer pour la même occasion avec sa rapière. Oui, il a l'air costaud quand même, ça monte ça. Il a l'air. Hein. Ouais. Bah, si vous voyez qu'en plus, il arrive à placer deux coups de rapière, dont une critique. Dont une critique, donc. Oui, ils avaient pas besoin de notre aide, pourquoi on est arrivé. Bah, il vient à mon aide en fait. Ah non, c'est l'heure. Bah c'est un chétarme du coup, d'agir. Il a pas fait son jet de sauvegarde? Il y a pas de jet de sauvegarde, hein. Ils sont robustesse de la non-vie, il y a les dégâts radiants et les critiques les tuent sans jet de sauvegarde. Ah. Tu le sauras pour les zombies, les machins. Allez, hop. Donc il met la technique, tu connais par cœur Pathfinder, tu sauras qu'à DD5. Robustesse de la non-vie, des morillons, c'est ça. Ah oui, parce qu'il est prone, ouais, je me disais. Ouais, il est prone, ouais. Oh, pourquoi qu'un mais... Un petit coup, mais bon, tu le touches quand même. Ouais. Pff, mettez-vous derrière. Vous êtes fort, vous mettez-vous devant. il a pris plus de dégâts que toi. Hein. Ouais, bon. Là, du coup, le chase, c'est un peu loin. Et surtout, ouais. Il y a un muret devant toi. Muret en pierre. Bah je fais un double déplacement. Mmh. Oh. Tu commences à courir du ponton pour aller dans la rue. Au milieu de la ruelle. Et il te touche. Oh. Malgré son désavantage. Pardon. T'as bénédicte. Déjà, moi. Ouais. Bah, je vais faire un double déplacement. Hein. Copieur. Oh non, tu peux y arriver sans même un double déplacement, toi. Ah, je sais pas, je peux passer par où 2, 3, 4, 5, 6, tu vois, tu peux être là. Voilà. Ouais. Bon, bah je. J'ai d'arme. Oui, c'est moi. Bah je m'épuise. Tu m'épuises. À la tâche. Je m'épuise à taper. Tu m'épuises. Il m'épuise ces zombies, j'en ai marre. Ah. Deuxième. T'es sûr de tes moulinets là? Bah je l'ai blessé. Apprends, ah bah voilà. Apprends du pêcheur là. Ça fait 16. Ça fait 16. Sauvegarde bon site. Ah, raté. Bon, mais il est mort. Il est mort. Il y en a plus là. Si, ah, il en reste un. Moi j'aurais été vachement utile sur ce combat, je crois. Ouais. Mais un peu comme d'habitude. Ta gueule. Je vais me déplacer. Je fais un coup à Altiris. Hein. 1, 2, 3, je passe par là. 4,
Hein, qu'il y a un muret là, c'est ça? Oui. Bah, je me mets près du muret pour pouvoir tirer en fait sur. Ouais. Oui, t'es en haut du. Ouais. Et je tire. T'es toujours à portée courte là, c'est bon, y'a pas besoin. Oh ben ouais. C'est pas possible! Il y en a un qui va s'épuiser aussi! Non, c'est pas possible! Une fixation de l'épaule, il peut plus tirer l'arbalète! Aïe aïe aïe! Putain! Il y a eu le recul! L'arbalète! Heureusement que t'es pas en. Ouais, c'est ça, pouf! Magique. Les frappés d'incapacité, les attaques de mêlée contre vous ont l'avantage jusqu'à ce que vous preniez un repos court et que vous recevez une guérison magique. Ah, je me dirige vers lui pour lui mettre une tarte. Ah bah je reste. Je reste là et je me masse le bras droit. En fait, t'as tiré, bon, recul, tu sais, comme un chasseur. Bah ouais, je. Ah, oh, merde. Ouais, alors il y a les bons et les mauvais chasseurs. Et là, apparemment. C'est un mauvais chasseur. Allez, continue à balancer les coups de griffe chez Tarn. Bien, il coule. Oh putain. T'as un max, mais bon. Tu penses que. Tu fais rien? Bah non, je fais rien. je masse mon épaule. Aïe, aïe, aïe. Il est mal. Aïe, aïe, aïe. Il, bordel. Pas à qui tu demandes ça, hein. Ouais, à personne. Personne vient m'aider, évidemment. Ouais, Cervantes continue les coups de rapier. Hein. Et ça fonctionne plutôt pas mal. Oui, les autres. Par contre, 13. Ah, par contre, il se relève. Ouais, mais il y avait des zics, ça aussi. Les stages, c'est tormes. Ah bon? Ouais. Ah, je vais me soigner. D'après le combat tracker, c'est à toi. Ah, quand même. 5, 13. 8. Ouais, mais 8. 8. Sur le test de consiste. Donc il est mort. Ah bah cool. Voilà. À chaque fois, on tombe bien quand on finit le combat. Il est 23h pile, c'est bien ça. Ouais. Ouais. Et au round d'après, entre guillemets, oui. je me fais une intégrité physique. Fais donc, fais-le. Je me fais beaucoup avec mes griffes. Max, tu as besoin d'un massage à ta petite épaule. Ah, aïe, Altéry, si tu veux faire quelque chose, j'ai mal au bras. Aïe, putain, Katara, j'ai mon autre bras qui fonctionne très bien. Regarde, j'ai le bras tout mou. Mou. En fait, bon, il vous remercie. Il me rappelle la Cervantes, dis pas d'aide. Alors, vous voyez qu'il il a un sale accent. Là, c'est pour les princesses Bride, si vous voulez. Il m'appelle pas... Cervantes et toi est mon père. C'est ça. Tant que c'est pas le nain qui est passé ses 15 dernières années à minimiser à la contrôler au carré en poudre. Je sais ce que tu penses. il est génial ce film. Ouais. Non, il vous explique, mais il vous remercie. Mais en fait, il cherchait de l'aide et eux, ils ont réussi à fuir. Mais il dit, ça tombe bien que vous soyez là, vite, est-ce que vous pouvez nous aider? Il y avait c'est le paysan là, local, là, celui qui était en train de fuir, qui vous explique qu'ils étaient une quinzaine d'habitants des terres au nord de Palaiso. Ils sont arrivés en ville et ils étaient menés par justement un aventurier, là, Cervantes, qui les a aidés. Ils ont essayé de venir s'emparer d'un bateau pour fuir vers Lycanis. Puisqu'il y avait de plus en plus d'écorchés, etc., dans la région. Et leur expédition a raté en traversant première partie de la ville. Ils se sont barricadés dans une maison à l'est de la grande place. Et ils ont réussi à tenir toute une nuit. Certains ont décidé de rester, d'autres d'aller essayer de trouver de l'aide. Et ils ont essayé de trouver un bateau, ils ont tenté une sortie.
En gros, il vous implore, est-ce que vous pouvez venir avec nous, vos camarades Nous travaillons pour sauver la ville, nous. Et... Nous œuvrons pour sauver la ville, effectivement. Oui. Nous œuvrons. Et. Comment dire ? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Mais moi, je suis un peu épuisé. Fatigué aussi. Fatigué par ces gens-là qui demandent notre aide. Et. Je sais que dire. Je regarde mes compagnons pour savoir si. Alors, à Bénédicte, lui, il va dire oui. Bénédicte, voilà, c'est ça, Bénédicte. Et comment il réagit hein? À Italie, où ils étaient? À Lycanis. Une maison. Ils veulent aller à Lycanis. Oui, non, mais là, ils essaient de prendre. Non, mais là, ils essaient de prendre un bateau. Non, non, ils veulent sortir vers une maison pour aller prendre un bateau. Mais il y a une groupe de quinzaine d'habitants, ils sont pris au piège dans une maison. Là. Ah, d'accord. Et On va peut-être aller libérer. On va sortir, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, attends, il y a combien de zombies autour de la maison pour bloquer 15 personnes quoi. Non, mais bon, enfin. J'ai tué une bonne vingtaine depuis. C'est une maison à l'est de la grande place. On nettoie lance-flamme et puis. À l'est de la grande place. Oui, oui, on nettoie ça au Karcher Altiris. Vous avez de la nourriture hein, vous avez de la nourriture là-bas? Non, c'est. Hop. 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 Excuse-les, Franck, hein, ils n'ont pas l'habitude de. J'ai l'habitude de jouer avec moi, donc forcément. On arrête à quelle heure là? Bah maintenant. 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 Ouais, parce que moi voilà. J'ai du mal à tenir. Moi aussi, moi j'ai du mal à tenir. N'embête pas. T'es trop épuisé. Donc on pourra donner notre réponse la fois prochaine. Ce sera un ouais. Cliffhanger. C'est ça. Et pour le MJ. Même pour le MJ. J'ai déjà donné la réponse, moi. Non, toi t'as donné la réponse, toi t'y vas, mais nous on n'est pas sûr encore, hein.